Dans l'épisode précédent, nous avons poursuivi la rénovation de la charpente ainsi que la découverte de nouvelles petites surprises. Mais aujourd'hui, dans celui-ci, nous allons procéder à la démolition de toutes les cloisons pour faire table rase du passé et avoir une meilleure vue d'ensemble et un accès à l'entièreté de la structure de la maison pour ne plus avoir aucun doute sur celle-ci. Alors si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Enchanté, moi c'est Herman et je vous souhaite la bienvenue sur... Bon, aujourd'hui on s'attaque à la démolition de toutes les cloisons, parce que je commence à en avoir marre de les voir et puis qu'elles ne me servent plus à rien. Voilà. Donc, c'est parti. Ok. Bon, alors venez, je vais vous montrer un petit truc, c'est la surprise des rénovations. J'avais absolument pas vu ça comme ça en fait. J'ai pas du tout tilté alors que c'est évident, mais venez voir. Alors, donc, ici on a un mur de parpaing, voilà, rien d'extraordinaire. Et je me suis dit, bah tiens, ils ont mis un mur de parpaing devant le mur de pierre. Puisque c'est une maison en pierre, donc je comprenais pas pourquoi il y avait un mur de parpaing. Je me suis dit, bon bah ils ont peut-être mis un devant pour le renforcer, le consolider, etc. Bref, là on a le Velux de la chambre, et on a là le Velux de la salle de bain. Mais comme on peut le voir, bah ils sont pas du tout en fait au même niveau du mur. Et j'ai pas du tout fait gaffe à ça.
Je me suis même pas rendu compte que bah là, le toit, en fait, le bout de pente du toit, juste à aller 20 cm derrière, il y avait directement la gouttière. Donc en fait, ce mur-là, bah, c'est pas un mur de pierre, c'est vraiment juste un mur de parpaing. Comparativement à l'autre côté, où là bah, c'est bel et bien un mur de pierre et qui donne vraiment très loin après quoi. Il y a au moins 70 cm de longueur. Donc ici, bah, on a un mur de parpaing, donc il n'y a pas le mur de pierre. Et finalement, bah, le mur de pierre est là. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en fait, le mur de pierre est ici. Alors on va découvrir un petit peu ensuite ce qu'il y a derrière. Mais voilà, en fait, le mur de pierre est là. Et moi, ici, là, je suis en train de marcher bah, sur le mur de pierre. Qui a été réduit et ils ont fait un mur de parpaing ensuite à la place. Assez étonnant. Peut-être que le bâtiment était fait comme ça à l'époque. Qu'il n'y avait pas en fait de mur de pierre aussi haut de ce côté-là. C'était peut-être l'entrée d'une grange pour stocker du foin ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, eh bien moi qui voulais pas trop isoler, du moins quand il y a des murs de 70 cm d'épaisseur, c'est pas nécessaire de mettre une isolation très très épaisse. En fait, là ici, je vais bien doubler et bien mettre épais d'isolant parce que bah en fait il manque de l'épaisseur, tout simplement. Les petites surprises de la rénovation, et j'avais pas du tout fait attention à ça. Donc on découvrira après bah, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. En tout cas là-haut c'est toujours aussi bizarre leur système d'isolation parce que de ce côté-là, on a de la laine de verre et du polystyrène. Et un vide d'air épais comme ça. 5, 6, 7 cm peut-être. Le truc incompréhensible. Il n'y a pas un endroit de la maison qui fait pareil. C'est un peu du grand n'importe quoi. Mais bon, ça jusqu'à maintenant, on a un petit peu l'habitude. C'est de la récup. Là, c'est vraiment de la récup parce que là, c'est pas non plus le même. Bon, je vous montre, encore une fois, bah, il n'y a rien de cohérent du tout hein, dans cette charpente, dans cette isolation. Ici, on a la laine de verre avec directement du lambris qui a été posé. Là, on a bah, sûrement de la laine de verre en dessous avec du polystyrène, puis des espèces de chevrons là, qui ont été mis ensuite par-dessus et cloués. En traversant l'isolant et en allant dans le chevron du dessus pour ensuite remettre du lambris, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien d'identique et là après on repasse sur le même type de montage avec encore ces chevrons qui sont posés par-dessus le polystyrène. C'est vraiment bizarre ce qu'ils ont fait, je comprends pas tout. Puis là nos amis les souris ont dû habiter ici aussi un peu. Donc voilà voilà. On va être obligé de tout démonter ça. C'est franchement du bricolage qu'ils ont fait. C'est n'importe quoi. C'est ni fait ni à faire. C'est vraiment pas top. Hein. Et puis là, je vais vous montrer la poutre. Une fois que la cloison centrale a été enlevée, on se rend compte qu'ils ont gratté le bois. Mais vu qu'il y avait la cloison, bah, ils n'ont pas pu gratter sous la cloison. Et bah, tout est mort ici aussi. C'est complètement bouffé. Voilà, je.
sais pas si je vais la garder celle-là. Hein. Ici c'est bouffé aussi et humide. Voilà, ça tombe. Il y a plein de poussière, plein de bois qui a été bouffé. C'est vraiment pas top. Donc, voilà, je regarde la solidité de la poutre, mais c'est vraiment pas génial. Là, c'est pareil, il y a tout qui s'en va. Voilà. Donc bah c'est pas top, on en découvre des choses. Bon alors bien entendu c'est pas ça qui va nous arrêter, mais c'est quand même un peu chiant parce que ça rajoute encore des trucs à faire, des incertitudes. Je sais pas si je vais la changer cette poutre ou bien gratter ce qui est mauvais pour voir dans quel état elle est, et puis si je vais la garder en la retraitant derrière. C'est peut-être que la structure vraiment porteuse de la poutre est pas atteinte. Donc voilà. Mais c'est vraiment pas top. Bon, c'est bien beau maintenant qu'on a tout arraché. Je peux vous dire qu'il y a du rangement. Et pas qu'un peu. Bon, là vous en rendez peut-être pas compte, mais il fait quasiment nuit. Et comme j'ai coupé le disjoncteur principal, il n'y a plus d'électricité nulle part et je n'ai plus de quoi m'éclairer. Du coup, je vais descendre en bas, je vais bidouiller un petit peu le tableau électrique pour mettre une prise. Et puis comme ça, j'aurai l'électricité que dans une seule prise, mais c'est pas grave. Après, comme ça, le circuit et tous les fils qui dépassent un peu partout, bon bah il n'y aura pas de jus dedans, j'aurai une prise qui sera elle par contre en sécurité, puis je viendrai brancher une rallonge dessus pour me balader un petit peu partout avec de la lumière. Mais ça ce sera dans un prochain épisode.